Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du livre Le Moyen-Orient, des croisades aux Ottomans. Donc, comme mentionné, on va parler de ce magnifique petit ouvrage, Le Moyen-Orient, des croisades ottomans, écrit par Raphaël Whelan, qui est docteur en histoire de l'Université de Montréal. Vous savez, on entend souvent parler aux médias de la région du Moyen-Orient. Bon, trop souvent, c'est pour des mauvaises nouvelles. Mais qui connaît vraiment l'histoire de cette région du monde-là? Le petit livre que vous avez ici, c'est plein de petits textes sur différents sujets qui vont vous donner une partie de l'histoire de cette belle région. Donc, première partie de l'ouvrage, on a un magnifique chapitre sur le texte des Mille et une nuits, qui était un texte qui a réellement existé à l'époque, et on dit que la première trace écrite de l'existence de ce manuscrit remonte au 9e siècle. Mais le texte est beaucoup plus ancien que ça. Malheureusement, bon, on ne sait pas à quel moment qui a écrit véritablement le livre d'origine et non plus à quelle époque. Mais c'est vraiment là une époque où est-ce que c'était un peu l'âge d'or du Moyen-Orient. À l'époque, c'était la meilleure place pour la culture, la science, ça se passait au Moyen-Orient. Par la suite, on va parler des croisades dans l'ouvrage. On va parler de la conquête des croisades qui sont rendues au Moyen-Orient, beaucoup du 11e au 13e siècle. Entre autres, bon, c'est que les croisés vont s'emparer de Jérusalem, qui était là. Par la suite, ils vont la perdre aux mains des musulmans, mais entre autres, la première croisade a permis de mettre la main sur Jérusalem. Donc, on va parler entre autres des fameux chevaliers des Templiers. Hein, tout le monde a entendu parler un jour ou l'autre des Templiers. Des fois, il y a beaucoup de choses qui se sont écrites qui ne sont pas nécessairement vraies sur les Templiers, et on revient un petit peu sur ce groupe-là. Et on va voir aussi des croisades, mais vues de l'œil des musulmans. Et on va entre autres parler de Saladin. Je pense que Saladin est quand même très, très connu, comme c'est un chef très important nous, chez les musulmans, et on revient particulièrement sur lui. Il y a une grosse partie aussi de l'ouvrage qui va parler de l'Empire ottoman. Donc, l'Empire ottoman, au début, n'était pas si grand que ça. Il va connaître une expansion. Entre autres, ils vont prendre possession de Constantinople au 15e siècle, alors qu'il était la capitale de l'Empire romain d'Orient. Constantinople va passer sous le joug des Ottomans et va devenir à leur tour leur capitale. Donc, on va parler du système politique qui a été mis en place par l'Empire ottoman, son expansion, parce que c'est un empire qui s'est beaucoup développé. Hein, on peut dire qu'elle s'est rendue très loin en Afrique, même en Europe. Et éventuellement, on va parler aussi de la chute de l'Empire ottoman, puisque après la Première Guerre mondiale, bon, le territoire a été morcelé et il en reste aujourd'hui environ ce qui est le territoire de la Turquie actuelle. Là. Bon, c'est vraiment une infime partie de ce qui était à l'époque le grand territoire de l'Empire ottoman. Je tiens aussi à dire qu'il y a un texte qui porte sur la route de la soie, puisqu'on sait entre autres que les Chinois veulent faire revivre aujourd'hui la route de la soie, mais on a un texte magnifique sur cette route mythique. Donc, vous voyez, c'est plein de petits textes historiques qui vont faire connaître cette magnifique région. Donc, c'est un beau voyage dans le passé que je vous invite. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une très bonne semaine.